Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'emplacement de Clark Kent, de Batman en armure et de Beast Boy qui sont disponibles maintenant sur Fortnite. Donc il y a eu un petit bug, Epic Games en était au courant et là il a corrigé le bug. Maintenant les personnages apparaissent au lieu que je vais vous présenter sur Fortnite. Donc de ce fait, vous allez pouvoir réaliser le défi qui était d'accomplir des quêtes de Clark Kent et de Batman plus en armure plus de Beast Boy. Donc là je vais aller voir Beast Boy qui se trouve à Weeping Woods. Donc là regardez, je vais m'y rendre. Logiquement il devrait se trouver dans cette petite cabane là. Donc effectivement il y est. Donc boum, je m'y rends. Et où est-ce qu'il est? Ah non, il est de l'autre côté. Ok, il est de l'autre côté. En espérant que je vais pas me faire tuer par les autres joueurs. Évidemment les autres joueurs sont déjà là. Je lui parle. Voilà, au moins, je lui ai déjà parlé. Et vous avez vu, j'ai pu lancer une quête qui était battre un extraterrestre. Donc, pour réaliser les défis qui est d'accomplir les quêtes de Clark Kent, de Batman en armure ou de Beast Boy, là, vous pouvez tout simplement aller à cet emplacement-là, parler au personnage et ensuite réaliser le défi que le personnage va vous donner. Cependant, c'est vrai qu'il y a énormément de monde, à ce que je vois, qui font les défis à l'heure actuelle. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, et je vais vous afficher une image à l'écran maintenant, qui vous montre l'emplacement de tous les téléphones de Fortnite. Et en fait, vous pouvez tout simplement aller au téléphone de Fortnite pour essayer d'avoir une quête directement de Beast Boy, de Beast Boy plutôt, de Clark Kent ou alors de Batman en armure. Parce qu'ils peuvent vous téléphoner via les cabines téléphoniques. Donc voilà, vous pouvez soit vous rendre à l'emplacement des personnages ou soit vous rendre directement au téléphone que je viens de vous montrer. Alors là, je vais vous montrer le deuxième emplacement qui est Clark Kent. Alors Clark Kent, alors d'abord Beast Boy, il se trouvait à Weeping Woods, exactement sur le pont juste ici. Donc là, je vais vous montrer l'emplacement de Clark Kent. Donc Clark Kent, logiquement, il devrait se trouver dans cette maison ici, juste là, au-dessus du Corny Complex, donc au camp du Verger. Alors effectivement, il a l'air d'être bien là parce qu'on voit une petite bulle de discussion. Donc logiquement, ça doit être lui. Je vois pas qui d'autre ça pourrait être. Je vais essayer d'y aller vers l'avant. Voilà. Pas réussi. C'est pas grave, on va descendre. En espérant ne pas se faire tuer par les autres joueurs. Ok, on lui parle. Donc là, on peut visiter le vaisseau mère ou soit battre des extraterrestres. Donc vous devez réaliser une des deux quêtes pour accomplir les quêtes de Clark Kent. Et débloquer Clark Kent par la même occasion. Et maintenant, je vais vous montrer le troisième et dernier emplacement qui est... Batman en armure qui normalement devrait se trouver ici à Dirty Docks, juste ici où je mets mon ping. Voilà, juste là. Donc on va aller voir ça. On va aller voir s'il s'y trouve bien. Et alors, ensuite, ben, j'aurai terminé cette petite vidéo. Ok, donc je vois bien Batman en armure juste ici. Hop, je lui ai parlé avant qu'on me tue. Voilà. Donc voler dans une soucoupe ou battre un extraterrestre, vous acceptez n'importe lequel. En fait, j'aurais dû choisir... le défi voler dans une soucoupe. Comme ça, bah, j'aurais pris la soucoupe là et je me serais envolé avec. Le truc de toute façon, c'est que moi j'ai déjà débloqué Clark Kent. Donc voilà, au moins vous voyez où sont les trois emplacements des personnages que vous allez devoir parler et réaliser les défis, donc les quêtes qu'ils vont vous donner pour débloquer Clark Kent. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace!